Et coucou tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo concernant la crèche et l'adaptation crèche de Mademoiselle. Hein? On dit bonjour? Bonjour! Alors en fait je vais vous expliquer en deux mots l'adaptation crèche. Donc en fait moi je m'y suis prise, alors parce que ça va très très vite en crèche, hein, il faut le savoir. Moi je m'y suis prise déjà dès ma grossesse en fait, pour avoir une place, donc la place je l'ai eue. Donc en fait vous avez différents types de garderies, vous avez ce qu'on appelle la micro crèche. Ça c'est, je l'avais testé pour la deuxième, ça s'est pas bien passé, ça s'est pas bien passé du tout. Je sentais pas le personnel, ma fille revenait en pleurs alors que c'était pas du tout son style, etc. Donc enfin voilà, moi en tant que maman je l'ai pas senti, donc je l'ai enlevé de là en fait, tout simplement. Ensuite on a basculé pour la deuxième toujours vers une nounou. Donc la nounou parfaite, géniale, sauf que ben, la nounou ça reste quand même en vase clos et il n'y a que un ou deux enfants de plus. Donc c'est pas, enfin à mon sens, la meilleure option pour tout ce qui est collectivité, parce que nous on est très câblé collectif, qu'elle soit à l'aise avec le monde, qu'elle ait pas peur, les adultes, les enfants, etc. Et donc pour la première et la dernière mademoiselle, on est sur une crèche associative. En fait, les crèches associatives, donc elles ont leur propre mœurs, leur propre loi, on va dire, mais elles font également beaucoup participer les parents. Ce qui fait que là, par exemple, pour Halloween, nous, on s'est proposé, par exemple, de faire un atelier culinaire gâteau à la citrouille pour Halloween, voilà. Je sais aussi qu'il y a un papa qui va mettre en place tout un potager pour les enfants. Ils vont faire pousser les graines, ils vont voir comment ça se passe, etc. Et donc, sur ces crèches-là, ben, on est sur un volume d'enfants beaucoup plus important. Donc, une collectivité qui se fait beaucoup plus facilement et qui amène tout doucement vers la maternelle, en fait, la petite section. Donc, voilà pour mon petit blabla. À savoir que moi, cette crèche-là, je la sens... tout à fait bien, hein, bien entendu, l'équipe est au top, ils s'occupent très bien des enfants. Donc en fait, comment ça se passe à l'arrivée, donc les premiers jours, vous avez en fait des jours d'adaptation. Donc selon le métier que vous faites, il va falloir prévoir des jours. Généralement, ça se fait entre 3 et quelques semaines selon l'enfant, selon son rythme. Moi, avec les miennes, elles ont l'habitude, hein, elles sont dans le... avec beaucoup de monde autour, donc ça s'est fait avec elle, ça s'est fait en 3 jours. Donc en fait vous venez le matin, la première fois si vous venez le matin, donc une demi-journée, enfin quelques heures, quoi, une heure ou deux, on voit comment ça se passe. Ensuite on vient le lendemain, selon comment ça se passe, toujours pareil avec l'enfant, on réessaye avec une heure de plus, etc, etc. Moi personnellement, donc première journée c'était la demi-journée, le lendemain on a fait demi-journée plus repas, et le troisième jour on a fait jusqu'à la sieste, et donc voilà, en fait le quatrième jour directement sieste et goûter. On est allé la chercher après le goûter, puisque nous donc c'est jusqu'à 17h la crèche, heure où on termine tout ce qu'il faut. Et donc pour nous ça s'est extrêmement bien passé, pour d'autres ça se passe extrêmement bien aussi. Il y a certains enfants qui... Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est toi la star, dis, regarde, hein, guidou, 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 guidou. Et il y a certains enfants pour qui la séparation est un peu plus compliquée, des fois c'est le premier, donc c'est vrai que les parents ont du mal à laisser leur petit bout de chou, ou tout simplement c'est un effet d'attachement qui est un peu plus prononcé, donc rien de grave, ça se fait de toute façon toujours très bien. Et si vous sentez, c'est à vous de sentir le personnel de crèche aussi, hein, c'est à vous de vous sentir bien. Moi la mienne, comme je vous ai dit, sur les deux crèches que j'avais faites, et la nounou, ça s'était très bien passé, donc aucun problème. En revanche, la micro crèche que j'avais faite, ça s'est pas bien passé du tout, donc je l'ai enlevée tout de suite. Donc en fait, vous faites comme vous le sentez. C'est pas parce que vous l'avez inscrite à un moment donné que c'est pérenne et qu'il n'y a aucun changement, quoi. Donc voilà pour l'explication de la micro crèche.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un petit rhume? Il y a un petit rhume qui traîne? Un petit rhume des foins? Et donc voilà, donc madame, qu'est-ce que vous en pensez, vous de... Qu'est-ce que vous en pensez de votre crèche? Qu'est-ce que vous en pensez de votre crèche? Comment elle est, votre petite crèche? Comment elle est? Est-ce qu'on est bien à la crèche? Est-ce qu'on est bien à la crèche? Ça te plaît? Oui. Donc je pense que ça lui plaît, voilà, donc pas de panique, quoi qu'il se passe, que ça se passe bien, que ça se passe en 2 jours, que ça se passe en 3 semaines, c'est pas grave, vos enfants seront bien pris en charge, faites-vous confiance par rapport à l'équipe, et voilà, et après on arrive vers l'autonomie, on fait plein de choses, des choses aussi que je voulais vous dire, malgré le fait que ce soit ma troisième, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'elle est en crèche, en fait, moi, j'ai l'habitude de la solliciter, mais de l'aider, en fait, de lui donner les mains, de l'aider à se lever, etc. Alors que là-bas, ils prennent plus l'autonomie, mais dans le sens où, en fait, tant que l'enfant n'est pas prêt, eh ben, on laisse faire, en fait. Et en fait, j'ai vu qu'en la laissant faire, ben, si tu n'arrives pas à te lever, ma fille, allez, il faut y aller, quoi. Et donc, depuis, je la vois qu'elle elle fait de plus en plus de mouvements. Elle est à 2 doigts de marcher à 4 pattes. Donc, comme vous voyez, elle, c'est un petit bipède, mais c'est pas encore le moment, donc on va y aller par étapes. Mais franchement, voilà, cette façon de faire, de laisser vraiment faire le bébé à son rythme, de le laisser vraiment gérer son environnement, de se lever d'elle-même, de pas forcer, etc. Je trouve que c'était une bonne chose aussi. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Et donc voilà, je vous ai fait un tout petit medley de quelques photos vidéo de l'adaptation crèche. Ça peut toujours rassurer les parents qui ont un premier enfant de savoir un petit peu comment ça se passe. Et tout se passe très bien, faites-moi confiance, c'est ma troisième et elles vont très bien. Donc on se fait un gros bisou, comment tu fais? Gros bisou. Et je vous dis à tous une très bonne journée, à la prochaine vidéo. Bye bye.